Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyril. Ok, ce matin, je vais vous montrer comment télécharger les sons depuis Telegram, en fait, sans toutefois aller sur Google ou encore sur peu importe le moteur de recherche, en fait, pour télécharger les sons. C'est très simple, on va télécharger les sons via un bot dit sur Telegram. Ok. Bon, voilà mon Telegram ici, ça c'est une version, bon c'est une autre version de Telegram, c'est comme Telegram en fait, il n'y a pas trop de différence. Ok, on y va, je clique ici, on va venir sur un contact comme, comme Joshua là. Pardon, encore on commence. C'est très simple en fait, une fois que vous êtes bon. Vous pouvez aussi passer par votre enregistrement, en fait, comment dirais-je, par votre page enregistrement. Message enregistré, ok. C'est là. C'est à vous de voir d'où vous voulez faire votre truc, en fait, c'est très simple. Vous allez faire comme ça. Vous venez au clavier, vous appuyez arrobas. Pour ceux qui n'ont pas le clavier activé ou bien, comment dirais-je, le bot activé, c'est très simple. Pour l'activer, c'est très simple. Vous voyez, non? Une fois que j'ai mis arrobas, je dois écrire Deezer Music Bot. Deezer, comme ça. Parce que c'est un bot Deezer, fait ça, télécharge les musiques qui sont sur Deezer. Deezer, c'est une application de musique, bien sûr. Deezer Music. Vous écrivez exactement comme ça, au fait. Music Bot. Et puis vous lancez. Mais c'est très simple. Bon. On peut d'abord le chercher depuis ici là même. Ok. C'est très simple, on appuie là, à la barre de recherche là, ici, on vient ici, lui à tous, et puis on vient ici à la barre de recherche, on appuie ici là, ok, arrobas, Deezer, et vous voyez, le bot s'affiche directement, il faudra appuyer sur le premier d'où il y a bot au fait, il faudra appuyer sur le premier, afin de l'activer, pour ceux qui n'ont pas encore activé, et puis vous cliquez dessus. Puis ça va vous montrer déjà un truc comme ça au fait. Vous voyez un peu pas. La première fois quand j'ai activé, vous appuyez sur Start. Moi ça montre votre bot sur Spotify. Ok. Vous appuyez sur Start. C'est très simple. Pour l'activer, vous appuyez sur Start. Vous appuyez d'abord un truc comme ça, un slash, si on peut le dire comme ça. Et puis vous appuyez Start. Tout simplement. Vous voyez un peu. Oui, c'est pour me contacter. Ok. Bon, c'est déjà bon, même pas besoin de faire le login. Déjà bon, parce que moi j'ai pas eu à faire du login. Une fois ceci fait, vous allez dans votre messagerie privée. C'est pas chez moi, c'est quoi? C'est pas trop. Laisse regarder. Bon, on vient ici. Ok, voilà. Message enregistré. Ok, c'est très simple. Une fois message enregistré. Bon, vous pouvez le faire dans l'un de vos contacts, au fait, avec l'un de vos contacts. J'ai en discussion, en fait. Une fois dans la liste, dans ma discussion, j'appuie sur arrobas, et puis on verra directement dire les musiques. Comme c'est déjà activé, c'est bon. Je vais appuyer dessus. Maintenant, je mets le nom de l'artiste. Quand c'est comme ça, je vais peut-être mettre Céline Dion. Céline Dion, ok, vous voyez. Ça signale. Tout l'été de Céline Dion, vous pouvez l'écouter, le télécharger, c'est très simple au fait. Bon, je vais essayer avec Gizzy. Bon, j'essaie avec Ziggy, pardon. Mais un peu directement appuyer dessus, hein. Comme ça. Vous voyez, ça vient ici. Une fois, bon. Je vais d'abord le télécharger. On va refaire de même. Avec peut-être, on cherche Gims. Mais Gims. Voilà le nouveau son de YOLO. Bon, YOLO. On va aussi le télécharger. Un geste, une odeur, un regard qui comme déchire ton désir.
Ok, une fois ceci déjà téléchargé, comme on peut voir avec, son Lingon ici, déjà téléchargé. Bon, Medium s'est mis téléchargé, ok. Avec Medium aussi qui est déjà mis téléchargé, c'est très simple. Pour se regarder, c'est très simple aussi. On aura appelé lui à ces trois points ici là. Pardon. Lui à ces trois points. C'est très simple, on appuie. Et puis on met téléchargé. On voit un autre téléchargé ici. Appuyez sur cliché tout simplement. Déjà dans la galerie, c'est déjà dans le fichier. C'est donc il n'y a plus besoin de. Ok, on va aussi faire avec GIMS. Télécharger. Ok. On peut aller vérifier dans la gestion des fichiers. Ok. On cherche jouer à Telegram. Bon. Telegram est là. On vient à document, non, on vient à audio, je crois bien, audio. Audio téléchargé, non, c'est pas ici. On sait que c'est à document alors. Ok, voilà, document. Voilà, donc il est téléchargé, on peut le revoir. Ça, c'est Yoru de Maïm. Je m'habillerai puis je mourrai comme un quinoa. Ah, c'est Céline Dion. C'est très simple, on revient encore, vous mettez, c'est très simple, vous avez vu comment ça marche, non, vous appuyez arrobas, puis vous sélectionnez le bot, vous mettez le nom de l'artiste, peut-être qui encore, c'est pas trop, mais Jules peut-être, Jules, ok, une fois que vous mettez le nom de l'artiste, vous allez voir les titres de cette session en fait, vous allez tout simplement choisir ce que vous voulez choisir, voyez un peu ça en fait. C'est très simple. Ok, et passez une belle journée à vous. Bye bye.